tous. Hey, 6h30. C'est pas humain de se lever à cette heure-là. Hein, c'est pas humain. Je crois qu'on s'est couché à quasiment 2h. Ah ouais, c'est ça, on s'est couché à 2h. Je me dis, c'est bien, ça va pas là. Bon bah, on va changer les pneus. La 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 la. Ça, c'est trop cool. Donc voilà. On vous dit à tout à l'heure, on a un bordel monstre à ranger dans le bus. Parce que là, si on roule comme ça, il y a tout qui tombe. Je vais aller lever les petits et puis on se met en route et on va aller faire tout ça. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Et on se lève là-dedans, là! Charlotte, lève-toi ou je t'éclaire avec mon crayon puissant. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Je suis toujours le seul à me lever, moi. C'est un homme. Comme ça fait pas la vaisselle. Ouais, bien voilà, ça y est, on commence à tous les encombrer. Prêt à partir, il me reste plus qu'à enlever le bus décale. J'en ai profité, bon là ça fait un peu dégueulasse, mais quand les pneus vont être changés, ça va faire propre. J'en ai profité pour peindre les jantes. Voilà, au moins. Au moins ça fait quelque chose de propre et celle-là en fait je vais les mettre à l'intérieur. Celles-là elles vont être à l'intérieur du jumelage. Toutes celles qui sont peintes elles vont être à l'intérieur, comme ça je vais me retrouver avec des extérieurs qui vont être tout moches. Et je pourrais bien prendre le temps de bien les poncer et puis je pourrais les repeindre. Parce que on pense jamais à les entretenir, les jantes qui sont côté intérieur du jumelage, mais elles prennent cher à chaque fois et souvent elles rouillent tout ça. Donc voilà, elles seront bien propres, ça les fera tenir 1 ou 2 ans comme ça tranquille. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti pour échanger ces pneus. On a testé la caméra, ça fonctionne toujours. Là, l'image est vachement bizarre. On n'avait pas pris un coup de chaud. La caméra dehors. Eh bien, c'est la dernière fois que Petit Flash va rouler avec ses pneus pourris. Maintenant, il nous reste plus qu'à aller à la Flèche, changer ses pneus et on sera enfin tranquille. Depuis qu'on est arrivé de Vendée, on n'a pas du tout roulé, hein. Même pas une seule fois. Moi surtout, j'ai vraiment eu peur et je me suis dit c'est bon là. C'était en gros un avertissement, change tes pneus avant qu'il arrive quelque chose de plus grave. Et voilà, il reste quoi, 10 km à faire avec ces pneus pourris, puis après c'est bon, ça sera fini, on aura des super pneus, quoi. On est trop contents. De faire changer tes pneus. Ouais, c'est trop cool. On a hâte. T'as filmé ce que t'as fait ce matin là? Ouais, j'ai peint vite fait les jantes à l'arrache. On va les mettre à l'intérieur celle-là. Hein. Ouais, je m'en fous, les pneus vont être changés. Toi, tu les gardes pas? Non. Tu les voulais en décoration? Sérieux, tu veux qu'on fasse des pots de fleurs avec? Bah oui, tu voulais les garder. Pourquoi tu veux garder les vieux pneus? Bah en souvenir. Tu voulais mettre sur moi? Sur le toit. Ah. Non, pas sûr, quoi. Allez, on attend pour faire. Ouais, c'est trop... On est un peu excité, à vrai dire. C'est rien pourtant, c'est qu'un changement on de pneus. On attend pour faire changer les pneus, c'est notre maison quoi. C'est notre maison, c'est l'amputation de plusieurs membres. Ouais, on s'est fait... J'ai vendu 3 reins. 3 reins. Quoi? Ouais. On a dû vendre un gosse aussi. Le bébé, il nous a bien rapporté quand même. C'est celui qui a coûté le plus cher. C'est bien celui à qui l'a récupéré, il dort super bien, il pleure quasiment jamais. Oh, c'est dur, arrête. Non, bon, franchement, bah voilà. On est super contents. Bah voilà, il faut économiser pour à chaque fois.
quand il y a des grosses voir, dépenses. On va essayer d'aller voir les pneus, donc, qu'est-ce que t'en penses? Les voir comme ouais, ça. On va essayer d'aller chercher. Demander où ouais, est-ce qu'ils sont. Savoir pour les prendre avant ouais. de monter. Nous allons aller voir les pneus. C'est bon, vous avez fait le tour de... C'est ceux-là? Ils sont bizarres, je les voyais pas comme ça. Alors, non, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là non plus. C'est pas ceux-là. Ça, c'est les quoi, ceux-là? C'est les arrière ou les devant? Les arrière. Ah d'accord. Arrière. 444. Impeccable, ça. Il va être beau, notre flash, avec ça. Ah ouais. Ça, ça va être chouette, ça. Vous allez nous faire du super boulot, hein. Comme toujours, hein. Tiens, ça c'est les avant. Ça c'est les avant, d'accord. Ah, profil beaucoup moins agressif, quoi, d'accord. Il y a marqué le prix dessus. C'est impeccable. Avec ça, vous allez pouvoir rouler. On va pouvoir rouler en toute sécurité en plein hiver, c'est ça? Ça va être bien. Hein. Non, normalement il est marqué MS. D'accord, MS. Et puis ceux-là, c'est des... il y a un petit flocon normalement. Le petit flocon. D'accord, le petit flocon, il est là. C'est pour les gens qui comprennent bien. Voilà, ça, c'est les 3P MSF. Impeccable. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Bon bah là Jérém va s'avancer un peu, on va enlever la roue de secours. On va essayer de voir si on peut l'échanger. Ouais. Et tu vas le mettre où? Pour mon anniversaire. Oh, ça fait flipper. Un bonheur quoi. Ah bah il est bien ta roue de secours là. Ouais. C'est une roue de secours qu'il faut, il faut pas crever. C'est une roue de secours qui nous tient pas secours. Tu veux que je t'aide? Si tu veux que je t'aide, tu... Si tu veux que je t'aide, tu m'appelles pas, d'accord? Voilà, tout ce que tu voulais pas faire. Vas-y, la peinture, là. Non, c'est bon, ça n'a pas touché. Voilà. Ça va. Super, la roue de secours. Après, ça va, hein. Regarde celui qui est là-bas. Ouais, je vais vous montrer. On s'est garé à côté de, d'un gars ou d'une fille. Là, qui a bien éclaté son pneu, quoi. Là, c'est... Oh la vache. Donc, nous, à côté, c'est Rikiki à côté. Hein. Ouais, là, t'as vu ça, comment il a pété. Ouais, c'est un truc de malade, ça. Tu veux pas ça comme route de secours? Ça pourrait le faire, ça, je pense, non? Je pense que ça passera pas, remarque, au niveau du passage de roue. Qu'est-ce que tu crois? Ce pneu là aussi, celui-là aussi il est mort. Ah ouais.
Oh, quand même, j'ai mes 10 ans là. Benjamin, voyons. Benjamin. Benjamin, normalement, si je me souviens bien, tu venais chercher des frites quand on avait la camion pizza ici. Bon, ah la vache, ouais, oui. Je le croyais tout jeune. Ouais, en fait, il est. Là, tu es sûr qu'on peut rien en faire? On peut pas mettre une origine? Oh, je sais pas, t'es pas très optimiste en ce moment, je trouve. Hein. En ce moment. On est en train d'essayer de voir pour mettre les jantes qui sont peintes à l'intérieur. Comme ça, moi, je pourrais repeindre les extérieurs, ça sera plus facile. Tu veux filmer le tambour? Hein. Putain, c'est un sacré tambour. C'est le seul truc que j'ai pas démonté, ça. Ça freinait bien, enfin voilà, je vais pas les démonter. Vas-y, filme-moi, tu sais, comme en Amérique, les bûcherons là, ou les Canadiens. Pour toute carcasse, tu y fonces avec des pneus. Je vais le faire là. Vas-y, tu te sens chez toi là? Non, en fait, non. En fait, on m'a déjà dit que je ressemblais à Jason Statham. Ah bon? Mais ça fait plus Jason Statham. Des. Et en fait, j'arrive pas en fait. La crevette en train de se tirer. C'est clair. Attends, faut que je trouve un pneu à ma force. Celui-là. Benjamin, tu vas passer sur YouTube, c'est pas grave. Tu vas devenir une superstar d'internet comme nous. Et alors, c'est quoi que t'aimais bien quand on faisait les frites? Fricadelle. Hein? Ouais, mais la fricadelle, maintenant qu'on sait ce qu'il y a dedans, t'en manges tout, c'est toujours aussi bon? C'est vrai, je disais la fricadelle, on sait ce qu'il y a dedans, mais on sait que c'est bon, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Pour regarder Dick Henneck, à un moment donné, il explique un peu comment c'est fait, là. Hein? Ça sert dans des grandes bassines. Il y a des colorants, des antixolytiques. Après, ça part dans les friteries. Ouais, devant que c'est bon, hein. Bah, tout ce qu'ils mettent dedans, ça peut être bon, hein. C'est comme celui qui marche avec son étiquette sous sa chaussure. Hein? C'est comme celui qui marche avec son étiquette sous sa chaussure. S'il te plaît. Oh. Comme ça, si ça rallonge ta carte, ouais. Ça arrive, c'est dégoncé. Ah, c'est cool, ça je connaissais pas. Ouais, c'est clair. En fait, sur les rallonges caoutchouc, il y a une partie qui vient tout le temps appuyer sur le but. Ouais, d'accord. Donc là, quand ça se coupe, c'est lui qui fait bouchon en fait. Voilà. D'accord, alors que là, c'est à la base. Donc là, c'est à la base. D'accord. Quand tu viens mettre ton anneau, donc la partie intérieure des manomètres, il vient appuyer sur la fantastique à l'intérieur, okay. Ah, mais c'est cool ça, et ça reste droit comme ça du coup. Ça reste droit. Parce que déjà, t'as été tordu. Ouais, c'est des vols de poulet.
Ok. Ça, c'est pour les bons intérieurs. En fait, tu peux faire la pression. Ah, d'accord, c'est cool ça. On me donne dans la roue. Ouais. Donc, je te mets des rames. C'est clair ça. Alors, t'es content? Ouais, je suis content. Hein. Ça, il me reste à nettoyer et à peindre. Je fais ça dans 2-3 jours quand la peinture derrière sera bien sèche. Et ce qui fait que mes roues derrière qui sont pas accessibles, elles sont déjà peintes en fait. Voilà, elles sont nickel. Les beaux pneus. Ouais. Ça va devant. Alors Flash, t'es content? Ouais, je suis trop content, c'est pour la classe. Merci bien, je vais changer ces pneus. Un petit conseil avant de prendre la route, il faut que je fasse attention à la paraffine comme en moto ou ça va aller? Non. On peut pencher dans les virages ou quoi? Je peux drifter ou j'attends 500 km? Tu peux essayer. Vérifier le serrage des roues. Ah, vérifier, on dit combien de temps? 50 km, 100 km. 50 km, 100 km. Après 500, il n'y a pas de. C'est moi qui dois vérifier ou c'est Charlotte qui le fait? Moi je reste dans le bus. Oh, il commence à pleuvoir. Bon, bah, merci bien en tout cas pour ce bon boulot. Hein. Voilà. Ouais, merci Benjamin, c'est cool. Bah ouais. Moi, les gens sont pas. Ouais. Une partie. On est super contents en tout cas. Ouais. On dit maintenant, on va aller se faire alléger un petit peu. Ouais, on va se faire amputer tous nos membres. Vous êtes super sympa, mais vous nous avez pas fait ça gratuit. Non. Non, mais faut dire, on a eu un super prix quand même. Ouais. Bon, bon courage à toi et puis bonne route à vous. Ouais. Merci. Attention. À bientôt, tu t'abonnes sur notre chaîne. Hein. Hein? Pas de problème, je vais tout prendre. Tu vas rester un client fidèle, t'as toujours été un client fidèle. C'est vrai. Merci Benjamin. Bonjour, alors c'est vous qui allez nous alléger? C'est Émilie, je crois. C'est ça? Si je me souviens pas, ouais. Émilie, elle venait déjà chercher aussi les frites. C'est ça? C'est hein? Ça. C'est quoi que t'aimais bien, les frites ou les fricadelles? Parce que Benjamin, c'était les fricadelles. Moi aussi. Toi aussi? Mais tu sais qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans. Mais je veux pas savoir. En tout cas, vous avez fait du super boulot, comme d'habitude. Hein. On est super contents. Et on espère que ces pneus ils vont nous emmener super loin. Super longtemps aussi. Super longtemps et super loin. Voilà, ça y est, ça fait quoi Charlotte? Ben,
Ouais, mais c'est pour la bonne cause, c'est ouais, pour des pneus. Ouais, on va dire ça. C'est comme si on refilait une partie de notre maison, quoi. C'est ça, c'est comme si on avait refait le carrelage de la salle de bain. Ouais, on va dire ça. C'est un peu ça. Bon, et bien à la prochaine. Hein. Je sais pas quand, parce que là, on va pu voir un bon bout de temps. Merci bien. De rien. Bon courage. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est trop mieux. Ah, la vache. Je pensais pas que ça pouvait faire ça, quoi. On va faire péter un gros coup de klaxon pour les remercier, leur bon travail qu'ils ont fait. Vraiment bon boulot. Go, pète un coup de klaxon. C'est bon, on y va? Ouais. Bonsoir, accrochez-vous, je vais drifter les enfants. Accrochez-vous. Allez, le rond-point à fond là. Attention. 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 Tu vas le dire une même fois. C'est parti. Vous voyez les jeux au fond là-bas, les enfants? Ouais. Vous voulez y aller? Ouais, oui. On y va? Ouais. Allez, en route. Merci papa, t'es trop merci, gentil. Merci, papa. Merci beaucoup papa. Je t'aime. Merci, je t'aime de ouais, super, cœur. Faut pas nous dire qu'on nous aime. Juste à l'espace, à l'espace, à l'espace, à l'espace. Qui c'est qui peut garer sa maison en face d'un mini parc d'attractions? Ben nous. Qui c'est qui va s'éclater? Moi, Julia et Lucie. C'est la fête du slip. Yeah.